Mais ça, déjà, je vais raconter une histoire sur le Hida. Rabbi Yosef David Azoulay, Rabbi Hayim Yosef David Azoulay, Zecher Tzadik Bekadosh Livracha. Le Hida, on a ramené ses os pour les enterrer en Israël. Et puis, à l'époque, Rabbi Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Bekadosh Livracha, il était très très jeune. Alors, ils ont ramené les os du Hida pour les enterrer en Israël. Et ils les ont emmenés dans une valise. Rabbi Mordechai Eliyahu, ça lui a pas plu que de voir les os d'un tzaddik, d'un homme aussi pieux, dans une valise. Alors il a demandé aux rabbins qui étaient là-bas de s'occuper un petit peu des os du Hida et de les arranger, d'arranger la tête à sa place, les pieds à sa place, d'arranger un petit peu son corps, les os de son corps, pour l'enterrer en Israël. Et puis, ils ont eu peur, les rabbins qui étaient là-bas. Il a demandé à plusieurs rabbins et personne a osé toucher les os du Hida, parce qu'ils avaient très très peur. Ils savaient que c'était un tzaddik, un pieux, un grand tzaddik. Alors, Rabbi Mordechai Eliyahu, il a parlé avec les os. Il a dit en hébreu, Anachnu mevakshim mikvodo shiityasher. Nous, on demande au saint rabbin de s'arranger lui-même. Shiityasher, ça veut dire de s'arranger que lui-même, il doit s'occuper de lui. Et évidemment, on parle d'une personne qui a quitté ce monde depuis beaucoup d'années. Et après quelques minutes, il y a eu un explosement dans la valise. Et puis les os du Hida, ils se sont arrangés eux-mêmes. Les pieds à sa place, les mains à leur place, et puis la tête à sa place. Et paraît-il qu'il y avait un des grands tzadikim de la famille Abu Hatzera qui s'est évanoui de la peur. Et puis, on voit de ça la grandeur des tzadikim. Personne n'a pu toucher le corps du Hida. Et puis, la seule façon, c'est que c'est le Hida qui doit s'occuper de lui. Et on a vu que Rabbi Hayim Yosef David Azoulay, Zecher Tzadik Be'er Shivracha, eh bien, il s'est occupé de son corps lui-même. Il avait besoin de personne. Et après, quand ils ont vu que le Hida lui-même, il s'est arrangé lui-même, donc ils ont pu prendre son saint os, ses os, et puis ils les ont ramenés à la Kevoura et les ont enterrés à Jérusalem. Et Srout, ce grand tzaddik-là, Ta'amod lanu ve'lachem, pour qu'en Israël, Amen, ve'amen. Cette histoire, je l'ai écoutée de Rav Havlin, c'est le grand rabbin de Kiryat Gat. Lui, il l'a écouté de Rabbi Mordechai Eliyahu, que c'est lui qui a parlé avec ses os, et les uns, ils ont répondu, le rabbin.